je vais vous donner un seul conseil si vous voulez avoir le visa. Pourquoi un seul conseil? Parce que personnellement, c'est le seul conseil qui m'a donné le visa en 2019. Eh bien les gars, avant d'aller déposer votre visa, posez-vous une question. Parmi tous vos documents pour la demande de visa, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que forcément, il y a une chose qui ne va pas. Moi, personnellement, en 2019, il y avait deux choses qui n'allaient pas. Premièrement, en fait, je n'avais pas un logement dans la ville où je suis accepté. Ça, c'est un gros problème. Et deuxièmement, mon parcours n'était pas cohérent parce que moi qui devais faire licence 3 maths, physique, informatique à Dakar, là, on m'accepte en première année BTS micromécanique. C'est tout sauf cohérent, donc il ne fallait pas déposer le visa comme ça. Et souvent, beaucoup d'étudiants rencontrent ce problème. S'il vous plaît, je vous déconseille d'aller déposer votre visa comme ça et attendre d'avoir un refus pour réagir. Moi, ce que j'ai fait, pour le premier problème, le problème du logement, eh bien, j'écris une lettre explicative pour expliquer au consulat que c'est un logement temporaire. J'ai déjà commencé des démarches pour chercher mon appartement à moi. Voilà, donc ça c'est la première lettre explicative. Et la deuxième chose, c'était le projet qui était incohérent. C'est là où vient la plupart le motif 4. Parce que tu as un projet incohérent, ils vont penser que tu vas tout simplement aller en France. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé une lettre de motivation. Et quand on se dit une lettre de motivation, c'est pas n'importe laquelle. C'est une bonne lettre de motivation pour expliquer mon projet d'études. Et le visa, je l'ai eu. Voilà, bonne chance à vous.